bienvenue sur ce nouveau live sur Book of Wars. On se relance, là on s'était arrêté la fois d'avant. Donc en off, on a fait un petit tour avec Shobiti pour voir où est-ce qu'on pouvait éventuellement fusionner des aspects pour les rendre plus forts. Et en gros, il y en a deux qu'on peut faire. Ici, on devrait pouvoir fusionner un fait avec Liminal, qui est de type Knock, et les fêtes sont de type Rose, donc normalement on devrait pouvoir. Et on peut en faire un également dans le télescope, et là on va pouvoir fusionner notre tout nouveau deuxième metal, là. Ce qui va nous permettre de pas mal booster la forge, donc on pourra peut-être envisager des trucs de forge un peu plus avancés, ou recruter notre copain le forgeron. Mais pour ça, il faut déjà qu'on passe la journée, enfin qu'on arrive au matin. Donc on va passer au matin, on va se lancer sur ces actions là. On a deux livres également à travailler, qu'on va pouvoir travailler en parallèle. Et il va nous falloir des souvenirs pour nos leçons. Donc on a ici la leçon toujours qu'on est en train d'étudier. Pièce 4 pour que le matin arrive. Hop, là on récupère cette nouvelle leçon. Petite lanterne sans grande surprise. Hein. Voilà, on est le matin. Alors, on va direct, parce que c'est quand même assez long, on va directement mettre, pour pouvoir vérifier si on s'est pas raté. Parfait. On va pouvoir fusionner ça, ça prend 3 minutes. Et l'observatoire, pareil, avec le métal. Et j'avais dit la belle, c'est ça. Hop là. C'est parti, donc ça c'est bon. Ensuite, on avait un Knock à 4 à faire et un Sky à faire. Le Sky il est là, le Knock de mémoire il est là, ici, voilà. Alors est-ce qu'on peut le faire direct? Skill de type Knock, il y a celui-là qui a 2 et on met un skill. Il va y avoir un 2 aussi. Ah non, raté, on est qu'à 3. Est-ce qu'on a un outil de type Knock? Là non, et dans tous les trucs qu'on a débloqués en haut, il y avait plein d'outils là. La clé, non, la clé c'était une clé. Hein. C'était pas un outil, c'est une key. Ah zut, donc il va nous falloir une mémoire quand même. Ok, bon, on va faire la mémoire. Et le scale est à 6, donc il va nous falloir une mémoire aussi. Ben c'est parti. Allons-y, il nous faut une mémoire de type Knock et une mémoire de type Sky 2. Pour le Sky, peut-être que tu vas vendre une... Alors je vais attendre ouais, de voir le truc. Enfin, je vais lancer le Knock. De toute façon, là, on va avoir besoin de Sky aussi. Donc je vais lancer un Sky 2 avec Beguiling Melody. C'est un truc assez récent, donc ça devrait être là, je pense. Et celui-là, voilà. On va l'étudier ici. Avec pas un Shaft du coup, pas le Whist amélioré, un Whist comme ça. Et il nous faut un Knock également. Tac tac tac, Knock 2 dans l'idéal. Lanterne forge Knock 2, on peut prendre un pattern. Un pattern. C'est pas là le pattern? Non, ça c'est le soleil. Nouvel pattern. Pattern il est là. Du coup, on va le lire avec un REB, j'aimerais bien si possible. Parfait. Hop. Ok, déjà on génère ces deux-là. On va laisser passer le temps pour avoir notre souvenir de la journée. Ah bah parfait. Et salut, enfin Rohardarin, on attend ton raid. On a du coup un souvenir de level 3 de Knock. Ça c'est cool, mais on n'en a pas besoin. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour autre chose d'intéressant? Tac tac tac. Ici on a du 9. Là on a du 9.
Et salut Ardarine, bienvenue sur le live. Merci pour ton raid, bienvenue au raideur. J'espère que ça s'est bien passé sur Pharao. Tu étais sur Pharao, je crois. Il a dit qu'il était en Égypte. Ouais, en Égypte. Alors du coup, ça m'embête, il va falloir que j'utilise ça par contre. J'aurais pas dû utiliser le Whist, je savais que j'aurais pas dû utiliser le Whist. On va faire venir le mec, on va lui monter à 7 de Winter, mais il va falloir qu'on repose notre Whist après. Il va du coup nous falloir un petit souvenir de type Winter. Tac tac, Winter 2, Moss, Nectar, on a plein des Winter ici. Winter 2, bah oui, un regret, bien sûr, je le sais en plus. Un Wigwet. Alors, avec quoi on peut lire ici? Un Else, c'est parti. On va générer un Wigwet. Comme ça, on pourra déjà papoter avec lui le temps qu'on fasse autre chose. De toute façon, pour aller à 7, il a 2, on a 3. Avec le souvenir, ça fait 7. Donc, ouais, non, on n'a pas besoin de faire autre chose. Donc, pour le moment, il va rien faire. Et du coup, Nock. Avec un Nock à 9, on peut ouvrir ici ou là. Ça serait pas inintéressant, je pense. Logia. Du coup, 9. Le prêtre, il a combien de base? 1. Ah non, c'est du rose là, c'est pas du nop. Donc, ouais, 9 ici, mais c'est tendu. C'est tendu. Donc, on va peut-être faire autrement. On va voir si on peut pas utiliser le souvenir. Quelque chose à la place. Dans les miroirs, je pense qu'il y en a un que ce serait parfait. Si on met le memory, on met 3. Donc déjà on a 5, ça c'est pas mal. Maintenant il faut qu'on rajoute un skill. Un skill de type nope, on en a 2, on a ça. Une ampoule d'améthyste. Ok, et ça. Pareil. Et bah, on va aller l'utiliser pour ça. Allez, c'est parti. En avant. On attend un peu. Il va falloir qu'on génère du souvenir. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, il y a ça qui est apparu. Une offre 2 de Tali, mais on a 2. Alors, c'est quoi? Un livre écrit en latin, 8 de nectar. Ah, j'aimerais bien pouvoir faire du nectar. On va l'acheter. Hop. On va l'acheter. Alors, on a Mr. Kyle qui est là. Donc, pour le moment, on peut rien faire avec lui, mais on peut reposer notre twist. Avec Two Pence. C'est parti. Je savais, Ardarine, que tu allais terminer ton live, mais je pensais que tu le terminerais un petit peu plus tard. Je me suis dit, tiens, je vais me relancer. On va peut-être avoir un petit raid. Donc là, l'objectif, c'est d'ouvrir cette salle. Et d'analyser ces deux livres. Tu es très efficace sur Pharaon. Ah, tu as terminé du coup ta partie. C'est pour ça que tu as arrêté ton live. Bien joué, si c'est le cas. Très bien joué. Hop, allez, c'est bientôt. Voilà, alors, on récupère. Beginning Melody. Et on récupère... un pattern. T'as fini la mission du jour, ok. Très bien. Alors, ici, on a le bureau de type Nock. Donc, on va pouvoir se lancer. On prend ça, on prend ça, on prend le pattern. On est à 4. Il n'y a même pas besoin de mettre un skill, du coup. C'est parti. Et on va vouloir faire du Sky. Le bureau de type Sky, il est là. Donc, par contre, en Sky... le seul qu'on a, c'est Faust. Donc là, on met une memory. Et en termes de skill, on en a pas mal.
Ça c'est 1, ça c'est 1, ça c'est 4, très bien ça. Ça c'est 3. On va mettre le 4. Comme ça on a assez. C'est parti. Donc les masters c'est en cours. Maintenant les leçons. Alors les leçons, si on veut améliorer ça, il nous faut une memory de type lanterne. Et ben c'est parti. Une memory de type lanterne, ça va être facile. Une révélation par exemple, voilà. On la met. Ah non, il y a déjà quelque chose ici. On la met du coup plutôt en bas. T'arrives pas, hein ? Quelque chose aussi là ? Ah oui, il y a quelque chose aussi. Et ben toi, t'es type quoi là ? On peut t'utiliser ici ? Non, on peut t'utiliser là. Là, on peut t'utiliser. Arrête d'être désagréable. C'est agréable. Et pour celui-là, il en faut deux. De type Sky ou Winter. On va générer un Winter. Hop, directement là. Et un Ereb. Et on commence à être un petit peu plein. Oui, il y a des choses qui vont se finir. Est-ce qu'on peut mettre un Strist ? On peut mettre un Strist ici. On peut mettre un Else ici. Très intéressant. On va enlever la pause de seconde. De toute façon, il va falloir qu'on commence à travailler avec notre, notre Coffin Maker. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on fabrique ? Une ampoule d'améthyste. C'est un liquide de type glace. Ok. Parce que c'est pas un beverage, c'est juste un liquide. Posez là. Il y a une petite clé dessus, ça me rappelle. Et l'autre truc qu'on a fait, c'est le rigouette. Donc on va pouvoir lancer ça du coup. Pas ça, ça. Voilà. J'espère que cette fois on va réussir à gérer les trucs du handled guest là. On a l'info que le mec qui est venu, les 2-3 trucs qu'il nous a dit, mais. J'ai un peu pas trop réussi celui d'avant, je pense, parce que je comprenais pas trop exactement ce que demandait le jeu. Ok, là on est récupéré, parfait, on va pouvoir avoir notre petit set ici. Toc, toujours pas. C'est ça. Et on passe à 7. C'est parti. On va pouvoir progresser un peu plus par là. Après, on pourrait, on a d'autres bureaux, hein, à droite à gauche. Nos attunes, il reste 1 minute. Donc ils reviennent en pleine forme, hein, ils reviennent améliorés en pleine forme, donc on pourra s'en servir. Là, on a généré un regret supplémentaire, et ici... un révélation, ok. Donc déjà, on peut commencer à travailler sur celui-là. On peut mettre ça. Et monter ça level 2. Et c'est vrai que là du coup il va me falloir du Sky ou du Winter. Et j'ai aucun des deux. Donc il faut que je repose un Whist. Bon, on va reposer un Whist à nouveau. Hop, two pence. Tes petites pièces. Et oui, Chubity, tes petites pièces à toi toute seule. J'en ai fait qu'un du coup, je crois. J'en ai pas généré d'autres. Si, j'en ai généré un autre. J'ai pas l'impression. Non, là, pas non. Tout était plein. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc ici,
on va gérer le IC bedroom. Et donc il me faut un autre souvenir de type Winter. Ça, Salt, c'est très bien, Salt. Hop. Il faudrait qu'on lise avec un S. C'est parti. On va aller voir du coup si on peut essayer d'autres choses là. Donc là du coup, on a essayé les Wolf Story, on a essayé le truc de plume. On peut essayer ça. C'est le voisin là, notre working. Ouais mais le problème c'est que c'est nul, enfin ça fait 3 de health quoi. On peut mettre ça éventuellement. Ça change hein, le texte hein, quand on fait des trucs là. En l'occurrence c'est le même parce que c'est pas on a les mêmes effets mais là si on arrive à aller plus loin que 4 je pense que est-ce qu'on a un 3 on peut avoir un 5 là. On va essayer de voir si avec un 5 on peut être plus intéressant. Et ici on peut utiliser un 7 également. Il nous faudrait du moss. Tiens, bah, ça c'est le type moss, mais c'est 1 et ça c'est 2. Derrière, il n'y a pas un cachet. Et en moon, par contre, en moon, on va pouvoir faire un gros truc. Là, on a 4. Ça nous donne quelque chose de type moon et de qualité ou est-ce que c'est vraiment random et on a genre du sable quoi. Sable de type moon, ça c'est de type moon 2. Alors peut-être du sable plus. Donc ici on a notre Ink of Revelation level 2. Alors, de type ushery et de type itachery. Ici, on pourrait la mettre là et on pourrait aller chercher le 3 direct, du coup. Ça, c'est pas mal. On se débloque un deuxième Faust. Et on met ça là. Et on se débloque un troisième Faust. Du coup, on n'a pas regardé les Faust. Bah, il y avait des trucs qu'on pouvait faire avec du Faust, ouais. Après, il faut que ce soit du Itastri, mais... On fera un petit tour en off. C'est long de chercher. Bah c'est long ouais, de chercher les trucs. Je crois qu'il y en avait un là, mais c'était de la préservation. Ça c'était rien, ça c'était rien. Il y avait les hôtels aussi. Il y a celui-là qui permet d'évoluer via Itastri. Faust, il est de type Sky. Ça marcherait. Tune to Faust. Qu'est-ce qu'on a d'Attune to Faust? Le son du jeu est un peu fort par rapport à vos voix. Alors attends, je vais replacer le micro peut-être mieux. Hop là, mieux comme ça? Parce que le son du jeu est pas fort quand même. Hein. Alors après, vu que je me suis mis en enceinte parce que je suis sur Shobiti, peut-être que le micro l'entend aussi, c'est une possibilité. Donc du coup on a dit Attune to Faust, on a 3, celui-là il est de type qui marche pas, celui-là il est de type qui marche pas, et celui-là il marcherait. C'est parti, hop. On se lance, on va améliorer notre Faust aussi, tant qu'on y est. Bon c'est une bonne journée à 3 améliorations, 2 masteries, on va faire 2 leçons supplémentaires, peut-être plus. C'est plutôt cool. Plutôt très très cool. On va peut-être pouvoir après attaquer un peu de démodissage de livres. Là on va récupérer notre bouquin. Allez, les souvenirs arrivent. Alors là, on avait amélioré notre metal. Ok, là on a un metal plus. Excellent. Là, on a masterisé ça.
Ok, une histoire pittoresque d'un voyage à travers les cauchemars. Donc il nous a généré de la fire. Ok, c'est pas hyper intéressant. Pourquoi le livre ? Traitries and Underplace. C'est un elf et deux skills. Et la leçon qu'on a, c'est une nouvelle. Corne et ivoire. Non, si corne, horn, mais corne dans le sens qui. Ouais. Ok, intéressant. On pourrait prendre la leçon du coup. On va aller ranger le livre. Par contre, je pense que Fear, il va commencer à être plein. Peut-être mettre encore un livre. Mais on le bougera là, je pense. Ouais. Fear, Edge et Scale 2. Je suis de nouveau loin. Ah ouais, non, mais ça, c'est parce que Ardarine, quand je me tourne pour écrire sur mon carnet. Le carnet avec la taille de mon clavier, il est un petit peu loin. Donc ouais, mais pour le coup, désolé, mais quand j'écris sur mon carnet, je suis un petit peu plus bas, effectivement. Toc, ça c'est bon. Alors, ici, on a masteré ce truc-là. Long have the two burn pursued my blood, yet one is no crow, yet it is darker. Waouh. De la poésie en anglais, quoi. Excusez-moi. Qu'est-ce qui nous a appris ? Ok, les Furnfeasers, c'est cool. Pas de souvenirs, par contre. Ouais, j'avoue. Il nous a juste généré une leçon. Ah oui, peut-être que vu que t'as déjà un Fear, peut-être que... Ah oui, déjà il a dû générer un regret ou un Fear, ouais. Oui, probablement, t'as raison. Plutôt un regret, je pense. On va le relire, ouais. Bon, c'est pas très grave. Est-ce que du coup, on a ce qu'il faut là? Non, ça c'est Edge, donc non, il nous faut quand même notre Sky bonus qui doit être quelque part. Là, on a notre fête améliorée. Et on a le souvenir qui est là. Ouais, c'est ça. Là, on est en train de générer notre deuxième souvenir. Ça, c'est de type scale. Je pourrais me servir du fear. Par contre, ce serait du level 4. Donc il va me falloir... Ouais, 3 souvenirs. Pourquoi pas? Déjà, on va faire le premier. On va attendre d'avoir notre souvenir ici. Est-ce que la pièce, elle est ouverte? Pas encore. On va améliorer 3 aspects, ça c'est cool. Ici, on récupère notre petit bouquin. On va aller ranger, hop, ici. Pas maudit, hein. Non, pas maudit. Tu pourrais faire une réclamation, si vous avez. On a récupéré notre whiz, donc on va pouvoir faire notre truc. Je sais pas si je pourrais faire une réclamation, hein. Je vais utiliser une monnaie... occulte avec des gens plus ou moins sous le manteau, on va dire. Là, on a ce qu'il faut. Hop. On va pouvoir lancer. On va lancer la leçon du coup. Toc, toc, toc. Et hop, c'est parti. On sort level 2. On va voir la nouvelle pièce. Alors. Ah bah, c'était un truc. Une sacrée tronche le buste. Ici on a un petit tableau, une horloge, de l'Armagnac 10 en bouteille, très bien, et un lit.
Cette génération de Deswolf ont dormi ici, comme l'a fait Kitty Mazarine, qui se branlait un peu des traditions. T'as bien raison, Kitty Mazarine. Kitty Mazarine, c'est la deuxième libraire, la deuxième bibliothécaire. Ok, alors, est-ce qu'on peut faire des choses intéressantes avec ça? 3, 3. Du scale, on pourrait améliorer ça. Il nous faudrait deux souvenirs de type scale en plus. Ou pas fier. Ou scale, hein. Ou scale. On pourrait générer un soleil. Et un beginning melody. Allez, rendu. Beginning melody. Donc il faut que je le lise avec autre chose que else. Et un solace. Ah bah, ou un storm, c'est très bien, storm. Hop. Et avec toi, est-ce que je peux t'utiliser ici? Non. Oui. Donc on va cataloguer un truc. J'ai perdu. C'est là. Bah oui, on avance, hein, mine de rien. Sans livres. Il nous donne plein de pièces sans livre. Ouais. Plein de pièces sans livre, en plus plein de pièces on peut pas vraiment donner mettre de livres. Ranger de livres. Oui, toi faut que je te relise. Ouais, tu vois, j'aurais pu le relire, bah tant pis. On le relira demain pour savoir si c'est un regret ou un fear. De toute façon là on a déjà un fear donc. En tout cas, c'est une bonne journée. In-game, bien sûr. Et du coup, ici... Oh, c'est un tout petit truc, ça. Les quartiers abandonnés du bibliothécaire. Oh, j'aurais pu le rouvrir direct, en fait, avec mon RM, ça. Bon, c'est pas grave. On a amélioré ça au niveau 3. Parfait. On le fera là demain, on ira chercher la midwife là et on pourra ouvrir ça en 2-3 mouvements. Donc le Hellson Garde pour améliorer notre leçon. Oula. Excusez-moi, le petit lag, je vais mettre pause. Voilà. On a trouvé des pommes. Ok, c'est du Earth Level 1. Bon, bah. Et dans la plage, on a trouvé de nouveau du Evil Oak. Pareil, c'est. C'est tout pourri, donc visiblement ce qu'on met est pas oufissime quand même. Hein. Ça c'est du sky. 4 de sky qu'on peut lire en plus. Donc on va le garder sous la main. Alors où est-ce qu'on va pouvoir foutre ces trucs tout nazes là? Parce que le truc de pomme de mémoire c'est très gros, donc on va le mettre par là. Voilà. Et l'algue, je l'avais foutu là la dernière. Est-ce que je peux serrer un peu? Non. Les caisses encombrant, est-ce que je peux en poser une là, Ah, ou alors t'attends demain et tu la jettes dans la mer pour générer un souvenir. Oui, je peux l'acheter dans la mer pour générer un souvenir, mais ça sert à rien quoi. Tant qu'à faire, je peux l'acheter dans le feu si je veux m'en débarrasser. Bah oui, ça fait pas de souvenir. Bah c'est le souvenir il est pourri hein. Le souvenir c'est un Edge et un Winter. Oui. C'est de la merde hein. Ah, je me souvenais pas. Encore heureux d'ailleurs parce que. Allez, on va brûler. On va le brûler. Donc ça on l'attend. On attend nos souvenirs. Là il était à tune, hein. Ouais, celui-là il était à tune. Ah oui, mais tu gardes ton health. Bah oui, il faut le health pour améliorer le health. On a un buste à regarder, on a ce livre là à relire. On aura des choses à faire si on veut faire des choses, c'est pas la question. Juste qu'on fasse notre leçon avant la fin de la nuit. Yep. C'est parti.
Tac. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Else. La leçon. Et on est parti, on va pouvoir monter ça au level 4. Et tranquillement passer la nuit et on fera ça genre demain matin. Apprendre ça. Caresser le chien. Bah non, on a dit tout ce qu'on pouvait faire, ce qu'il a bouffé. Mais là, tout ce qu'on peut faire, c'est mettre un effort et de la nourriture. Après, peut-être que si on met juste un effort, c'est considéré comme le caresser, j'en sais rien. Waf. Améliorer, on peut l'utiliser tout de suite. C'est un peu tard. C'est 60 secondes pour générer un souvenir. On va le faire. Allez, hop. Pas trop grave, au pire on le reposera. Et ça peut passer. Hein. Non, ça peut pas. Même 30 secondes, ça sera pas passé. Okay. C'est pas grave. On a ici du sky. On va faire en deux temps trois mouvements. Hop. On va mettre le Faust pas amélioré. Et on va mettre du coup celui-là. Et on est à 5. C'est parti. On commence la journée comme ça. On a dit on va chercher elle. Parce qu'elle ne coûte rien. On aime quand ça ne coûte rien. Donc elle va nous ouvrir ici, sans problème, et on va aller mettre, offrir un petit verre à la taverne. Pour voir qui traîne dans le coin et si ça vaut le coup de l'engager. Bon là t'es pas sur ton carnet mais c'est quand même pas facile de t'entendre. Bah j'ai rien changé aux settings là, c'est quoi ce bordel? Je boostais le micro hein. Voilà hein. Et le son du jeu est hyper bas, quoi. Ou alors c'est vraiment les enceintes, mais... perturbe. Genre, t'entends le son du jeu fort? Chez moi, il est... Même moi, je l'entends pas, il est inexistant quasiment dans OBS, quoi. C'est que ce bordel. Ah, OBS, tu fais du caca, OBS. Je te vois. Voilà, ouais, parce que mon micro, il est quasiment dans le rouge, là, donc... Je vais baisser le son du jeu. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On a dit on ouvre des salles, avec un peu de bol 2... Est-ce qu'on peut sécuriser ce un peu de bol? Là, on pourrait éventuellement atteindre un 9 assez facilement, je pense. On peut atteindre un 7 assez facilement. On doit pouvoir atteindre un 9 assez facilement. Quoique, je crois qu'en boisson, on a que dalle. On a que des trucs à 1 winter en boisson. Mais de rien, Narine, merci à toi de le dire, parce que pour le coup, malheureusement, c'est quelque chose que... Là, je m'en serais jamais douté, quoi. C'est-à-dire que ma jauge de micro, elle va quasiment dans le rouge, alors que la jauge de son du jeu, c'est un micro-barre verte dans mon retour de son, donc... C'est quand même assez bizarre, quoi. Ah ouais, je vérifierai la VOD, ouais. C'est quoi, ce truc? De l'eau de mer, ok, très bien.
Bah ouais, là, le son du jeu est redémarré, là, j'avoue. Là, c'est plus élevé, là. On va le baisser, la musique. Voilà, on baisse la musique, encore un chouille. Du coup, je vais augmenter mes enceintes pour que nous, on l'entende. C'est vrai que les musiques, y a un peu de tout, ouais. Bon, là, t'as dû entendre un boost de musique, mais ça devrait être bon, hein, Darine. Alors, dans les livres qu'on pouvait faire, est-ce qu'éventuellement il y en a qui ça vaudrait le coup de tenter? 8 de Health, 6 de Sky, on pourrait le faire ça, 6 de Sky ça se fait carrément, et 8 de Scale. 8 de Scale, ah, sans avoir amélioré ça, c'est chaud, mais on a quand même des skills un peu plus avancés. Ouais, pas tant, hein. En Scale, en vrai, on est à 3, ah non, il y a lui là, lui il est à 4. Donc on sera à 4, 5, 7 avec un souvenir, donc il nous en manquerait juste un. Et on a un outil de type scale, donc on pourra le faire celui-là. Donc on va se lancer un petit fear. On l'a mis là, fear. Hop. Viens là, toi. Toc. N'oublie pas de mettre le livre dans ton inventaire. N'oublie pas de mettre le livre dans mon inventaire. Ah oui, ce que je veux faire là. Oui, si tu veux. Celui-là c'est 8 de health. Alors en health on a 2 ici. Et en termes de skill, on a celui-là qui a 3, celui-là qui a 2, donc celui-là qui a 3, donc on est à 5. Pareil, 7 avec un souvenir. Par contre, on est un peu. Je crois pas qu'on ait trop de bonus pour ça. Donc on sera à 7 sur 8, mais 7 sur 8 ça se tente. Hein. Donc il faut qu'on génère un souvenir à 2 de R. Je crois que le seul qu'on a, c'est la Storm. La Storm, elle est là, je crois. C'est ça, elle est là. Alors ici, ça bosse, ici, ça bosse, ici, ça bosse pas. On va lire ça avec un... quoi? Un Chorn, on en a besoin. Elles, on en a besoin. Un Triste tout pourri. C'est parti. C'est parti, donc là on est bon pour nos masteries pour la journée. Et on va ouvrir des salles, c'est en route là, c'est en route là, ok, c'est en route. Oui, je peux générer d'avance, on a quoi là, du cloud, ouais, bouf. Ouais, mais après en Earth, je suis pas sûr qu'on ait surtout, on a la Storm. La non. On a Solace qui est de type Earth. On peut générer un Solace. Tout de suite. Je crois que c'est celui-là le Solace, ouais. Alors, faut qu'on aille par contre le lire genre en haut. Hop, ici on peut lire avec quoi? Un Shapt, c'est parti. Shapt, c'est du Nock, on s'en servira pas aujourd'hui. Ok, on attend Mr. Kyle, Mrs. Kyle, c'est elle que j'ai pris. Okay. Parce qu'elle, du coup, il faut qu'on la monte à 3 de Earth pour là. Donc on peut le faire assez facilement avec le Chore. Mais le Chore, on en a besoin pour la... On peut la monter de 1, bah je vais utiliser un souvenir du coup. Le premier souvenir qu'on chope, on va la faire monter. Parce que du coup, sinon ces trois autres là, ils étaient plus faciles parce que le forgeron est déjà level 2, le recteur est level 2. Sauf qu'il faut payer pour qu'ils viennent nous aider. Donc ça avait un peu chier quand même. Du coup, on veut le premier souvenir de type Earth qu'on a, on lui file et on le régénère dans la foulée. On va aller voir à la taverne ce qu'on a de beau dans la taverne. Souvent il y a des musiciens et tout. Si on a un musicien, il y a moyen qu'on puisse faire le nectar. Ou éventuellement un rose. Mais clairement on n'est pas fort là-dessus pour le moment. La salle tout en haut, c'est du 8. Ça avec notre metal amélioré, je pense qu'on peut l'avoir. Parce que du coup il faut 5...
Le mec il commence avec 2 je crois, donc ça fait 5. 7 avec un souvenir, on va bien trouver un petit truc et du filet à boire. Mais pareil, il faut payer, donc on va pas tout mettre dans le même panier. Alors ici on a généré un scale, parfait. Donc on peut... pourquoi t'es là toi? Est-ce que c'était le livre que tu voulais? Non, non, c'est pas le... ça c'est le fear celui-là. C'est un fear que je viens de générer ça. C'est le livre... oui mais je l'avais déjà mis là. Non, je sais plus, bon c'est pas grave. Du coup il faut qu'on l'utilise tout de suite avant que le prochain arrive. Hop, memory, toi tu viens là. Du coup en scale, on a que le health, on est d'accord. Et le plus gros qu'on a, c'est celui-là. Hein. 4, 3, 2, ouais. Donc on est à 7, et il faudrait qu'on lui mette un petit couteau de cuisine pour aider. Hop, voilà. Ah non, il est de type Edge, pardon, excusez-moi, c'est pas lui, c'est le sablier. C'est le sablier qui est de type Scale. Voilà. C'est parti. Hop là. Alors, là on en est où là? 11 secondes encore. On nous demande pas trop de travail, hein, mine de rien, côté vraiment bibliothécaire, il nous envoie un mec par mois. Donc là, on a régénéré un fear, du coup. Une Unusual Non. Sur un pèlerinage inhabituel, une non inhabituelle. Alors je vais remonter un peu mon micro parce qu'il est dans ma tronche du coup. Du Knock, du Moon et du Grail. Alors du Moon ça pourrait être intéressant. Hein. Ouais, je pense qu'on va essayer de l'embaucher pour voir un peu ce qu'elle nous propose. Donc il faut 24 balles, on va devoir casser nos billets. Eh oui, il faut ce qu'il faut. Donc là on a un Hert, donc c'est 5 secondes pour elle. On va regarder qu'est-ce qu'elle nous apporte et après on va faire travailler Mrs. Kyle. Oula, ok, j'ai cru que j'avais planté mais non c'est bon, on est à 3, on est bon. Et il faut qu'on le régénère du coup le storm. C'est parti. Et donc toi du coup t'as 4 de moon de base, hein, pas mal. Et 4 de knock aussi. On peut monter à 6, on peut monter à 8 facilement. Bon c'est nul. Là éventuellement du moon. On peut ouvrir là assez facilement, du coup. Parce qu'elle a 4 là, si on discute avec elle, avec notre triste amélioré, on est à 2. On passe à 6, on lui fout un souvenir, on est à 8, donc on peut ouvrir ça facilement. Allez. C'est une sister du triple note. On en a pas mal entendu parler des sisters du triple note ici. Dans nos bouquins. On peut atteindre 9 en moon. On peut atteindre du coup 6 facilement. Ah ouais, j'ai du moon 2. Bah, c'est pour ça que j'ai dit qu'on peut avoir 6. Parce que du coup, je peux avoir 2 avec ce skill. Plus 2 avec le... Donc on peut aller à 8. On peut aller à 8 et après il faudrait un... Un petit truc à lui filer, un verre de quelque chose, ou une tasse de quelque chose. Voilà, un petit macro, bah, c'est presque trop le macro. Des pommes? Non. À 10 de moon à ouvrir. Non, j'ai rien à 10 de moon, je crois pas. Les trucs à 10, ils sont là. Si, j'ai un truc à 10 de moon, là. Eh bah go, hein.
Go go go, on va terminer elle pour et puis après on la travaille au corps elle. Du coup il nous faut un Dawn Moon. Dawn Moon c'est intuition. C'est un vieux souvenir donc il doit être dans la bibliothèque de base. Voilà, il est là. Alors, il faut qu'on garde le Srist. On peut lire avec un fait. Non, pas ici. On va ranger un peu là. Voilà. On peut lire avec quoi? Else, le Chor. On le garde pour notre livre. On peut lire avec un Wiz de base. On va pas utiliser ça sur Mr. Kyle pour le moment. Donc ouais, on peut générer avec ça. Ok. Là, on est d'accord, on le masterisait. Hein. Oui, pas besoin de le surveiller. Un souvenir. De type Earth. Oui, ça c'était pour notre. Du coup, pour ça. Donc on va pouvoir attaquer la lecture de ce livre. C'est parti. Avec le Chor, avec le Soleil. Il nous faut un gros skill. Là, c'est 2. Là, c'est 2. Là, c'est 3. Pas mal. Là, c'est 2. Celui-là, c'est OK. Donc, on a ici. Voilà. On est à 7. Est-ce qu'on a un outil de type Hertz? Ça m'étonnerait. Peut-être une encre. Oh merde. C'est pas grave. Oui, on a une encre de type Earth. Bah, go. Go, 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 on refait. Hop, tac. Tac. Avec un petit peu d'encre, avec du Chor et avec le Edict inviolable. On est à 9. C'est parti. Donc ce memory nous servira probablement à rien du coup. Ok. Mrs. Kyle, tu vas aller ouvrir ta pièce. La petite pièce du fond là qui vaut que 3. Et toi, on va te travailler au corps donc sur Moon, on a dit. C'est parti, on passe à 6. Direct. Et qu'est-ce qu'on t'a donné, on a dit? Du macro. Un petit macro, rien de tel pour crier à la lune. Alors, on a masteré de ce livre. Janus, comme ils le disent, n'a pas un seul visage, mais deux. Ok. Et pourquoi seulement... Pourquoi un? Pourquoi deux? Ok, bon, ok. Une discussion sur Janus, pourquoi pas. Et ça donne une révélation. Ah, c'est un nouveau tome des mémoires du serrurier. Hop là, excusez-nous, la petite prise de tout, j'étais en train d'écrire du coup dans mon livre Lochmis Dwym Stolen Reflection. Stolen Reflection. Et donc ça donne une révélation. Révélation, ça a pas dû l'en changer, c'est Lanterne 2. Ouais. Ok. Et du coup, la leçon qu'on a, le Watchman Paradox. Ah, ça, c'est qui garde le gardien, ça. Who is watching for the Watchman? Et donc, du coup, révélation, je crois qu'on l'a mis là. Attends, même là, ça va commencer à être trop petit. Hein. Par contre, on alloue un grand.
Bon, très bien. Du coup, on pourrait le faire tout de suite, mais bon, c'est pas une priorité. On va plutôt regarder un des bustes. On avait trouvé un buste là, voilà là. Tronche du truc, quoi. On va utiliser un Nereb. Nereb, c'est du Grail. Ouais, la note, on la travaille sur le Moon, donc c'est bon. Alors, on a débloqué un Hearth, mais du coup on n'en a pas besoin. Hein. Je crois pas. Hein. Oui, on a mis l'encre pour aller au bout, donc on n'en a même pas besoin en fait de celui-là. Et donc toi, on va te filer un petit truc à bouffer. Tu manges, non? Alors du coup ça donnait quoi là? Un something, an un may have a particular interest in omens. Ok, donc on pourrait lui donner des omens éventuellement, mais on va lui filer un macro, hein, ça irait bien, macro. On va voir si on peut pas en retrouver un peu de macro là. Hop. Elle sera à 10 parce qu'on va lui mettre le souvenir. Il sera généré. Il devrait pas tarder. Voilà. Pas de celui-là, c'est ça. Dun Moon. Et oui, on est bien dans la journée, donc ça va le faire. Et donc ce qu'on veut ouvrir, c'est ici. Shrouded Space. Il y a vraiment des trucs bizarres dans cette bibliothèque. Alors, qui c'est? Le septième libraire, la septième bibliothécaire. Maîtresse des histoires sur le bois, ok, très bien. Je crois que mon bras de micro est en train de se casser la gueule. À force de tirer dessus pour essayer de recaler le micro, forcément. Là. C'est où que ça faiblit, c'est en bas. Alors, du coup, la septième. La septième, je suis quasiment sûr qu'elle a une place, elle. La troisième, la sixième, la septième. Hop là. Parfait. Il y en avait un autre, un buste, mais là on a vu que c'était juste Angus. On va quand même le regarder, hein, on sait jamais, hein. Chapt, il ne sert pas. Allez, c'est parti. Alors, n'hésite pas à me dire, Ardarine, si de nouveau le son est pourrave. Ce sera apprécié. Si tu es toujours dans le coin, bien sûr. Oula. I restore the room. Set aside by the curia for the librarian. Ah, donc. C'était la pièce spéciale pour le bibliothécaire, du coup. Une pierre inscrite. Une pierre avec des poissons dessus. Ok. Ah, les lunettes du bibliothécaire, bien sûr. Les fameuses. Un petit thé. Un buste. Ici, on a un arrosoir. Ah, c'est le tool de type nectar. Tiens, intéressant. Plein de plantes. Je me disais, il y a un truc au-dessus de la plante, mais c'est la flamme derrière. Et un lit pour le bibliothécaire. Parfait. Et plein de livres à cataloguer. Ah, et donc là, on a réussi. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? Le livre, c'était. Ah, le fameux Tome 3 of Worm qui donne du fear, sans grande surprise.
Path of Worms. Donc c'est Fear. Donc Fear c'est Edge et Scale 2. Voilà. Et elles sont Coil Chasm. Ok. Du coup, ça serait intéressant. C'est de type Nectar et Scale. Donc le seul truc de type Scale qu'on a, c'est ça. Ouais, on va pas. On est quand dans la journée? On pourrait. Mais je vais pas régénérer d'air gros. Faut que je régénère du air gros. Je peux pas en faire vite fait là. Tiens, donc rien foutre. Toi. Fais-moi du Eigengrau. Du Eigengrau. Bon, on se reposera pas aujourd'hui, mais c'est bon. Alors, du coup, toi, t'es rendu à 8. Donc, si on te met le souvenir, tu passes à 10. C'est parti. Donc là, on a une nouvelle leçon qu'on va pouvoir faire passer au niveau d'après, mais on la fera sans doute demain plutôt. Et on a un nouveau buste à étudier. Ah, je l'ai pas rangé lui. Donc toi, c'est du fear. Hop là. On va te mettre là et on va récupérer quelques bouquins à cataloguer pour les ranger. Hop, hop. T'as catalogué en leçon? Bah oui, bah c'est bien hein, pour découvrir un peu des trucs. Hop, hop, et hop, voilà. Parfait. Plein de souvenirs là, hein. Plus ou moins utiles. Alors, ce buste. Ok. Les points de jonction de l'esprit sont clairement indiqués. Bah, c'est parfait. Ça nous fait une memory touch. Fou un peu, honnêtement. Et là, on a notre none de qualité. Oh, le jeu commence à laguer un peu là. On peut l'envoyer là. Hop, c'est parti. On va débloquer notre première salle à 10. Ça fait plaise. Ça valait le coup de la recruter. Ça valait le coup de dépenser un peu de sous. Non, ça valait pas le coup. Allez, on va faire nos leçons. Peut-être utiliser le buste aussi, tiens, avec nos derniers trucs. On va cataloguer un truc du coup. Ici, hop. On utilisera le metal pour regarder le buste. Truc qui a fini. Ok, on a masterisé Warming Draws to Uplift the Heart. Ok. Tisane. Ouais. Ah, écoute. Du impulse. Ouf. Pas ouf les trucs qu'on trouve là. Alors, Warming. Draust. Uplift the Earth. Donc ça donne du Impulse. Impulse et Moss 2 et je sais plus. Nectar. C'est vrai qu'on pourra commencer à travailler sur le Moss, hein. On avait gardé de côté des livres avec du Moss. On va regarder ça. D'abord, on va ranger le Impulse. Ce serait pas lui, non. C'est lui. Hop là. Très bien. On va terminer tranquille la journée en étudiant notre buste. Certainement une des librairies, enfin une des bibliothécaires, vu qu'elle était dans la chambre de la bibliothécaire.
On a appris Coil and Chasm, Worm, Seven Coil, Dangerous Place. Comment les tremblements de terre sont liés et comment ils sont relâchés. Ok, intéressant. Pourquoi pas. Ah, et du coup, on a appris une leçon de type nectar. Ça, c'est cool, ça. Ouais, ça fait plaisir. Ça va peut-être nous permettre de commencer à attaquer côté, côté plante, là. Pas trop comment ça fonctionne. Je sais pas pourquoi il y a plein de plantes. Je suis assez curieux de voir comment ça marche. Alors là, on a plein de trucs. On a trouvé du sable. Donc c'est bien du sable, mais du sable un peu plus plus. On a un livre ici. On sait pas lire. Avec des fraises dessus. Le livre des baies. Le livre des baies, il est écrit dans un langage à la con, quoi. Et là, on a fabriqué notre petit Eggengrau. On va les poser là. Hop. Et donc le livre des baies, vu qu'on peut pas le lire... Bah on va le ranger, hein. On n'a pas du Mystery Moss un peu plus accessible que ça. Quoi ? 12, oh putain. Ça pique, hein ? Ah non, vraiment pas. Vraiment pas, vraiment pas. Ça, on peut le lire, et c'est du Sky niveau 6 pour le faire. Ok, ok. Du nectar niveau 6. Ah, là, il y a un moss level 6. On va le faire. Et un autre Sky level 6. Mais on a un seul Faust, hein. Ah, on a deux fausses. Non, on a un fausse plus plus. Le parchemin qui est là, tu vas l'oublier. Si le parchemin qui est là, je peux pas le lire. Oui, mais tu vas l'oublier si. Non, je veux pas l'oublier, il est là. C'est ça qu'il y a un parchemin à 4 ici que je peux pas lire. Par contre, le sable, est-ce que je peux le mettre là? Ouais, ça passe. Super collection de sable, ouais, exactement. Important d'avoir du sable. Alors, ici. Alors, très intéressant, le buste a une légère ressemblance, mais légère mais définitive ressemblance avec les descriptions de la célèbre Eva de Wolfe. Mais Eva n'a porté qu'un enfant et son arrière-petite-fille est morte jeune. Pourquoi? Je vois pas l'intérêt. Non, le buste, il nous disait rien de plus. Par contre, Eva de Wolfe, j'imagine que c'est censé c'est une espèce d'énigme pour avec tous les autres trucs qu'on a lus pour savoir quelle baronne c'était. Mais je crois que de toute façon, il nous reste plus que des libraires à mettre, des bibliothécaires à mettre. Sauf ici. Voilà. Juste là où t'as trouvé. Là ? Ça, c'est une bibliothécaire, ça ? Pour ça, je les ai tous faits. Donc, ça doit être la deuxième, du coup, Eva de Wolfe. On va la mettre là. Ouais, elle n'a eu qu'un fils et son granddaughter, c'est arrière-arrière-petite-fille, non ? Granddaughter. Parce que grande, c'est pour les grands-parents, mais avec daughter devant, c'est sa fille, donc. Et de toute façon, c'est le seul emplacement de baron qui nous reste. Donc, Il me disait quoi la niche? La niche, qu'est-ce qu'elle dit la niche? Bon, les inscriptions des niches, j'avoue, elles n'ont aucun sens. Ce qui a vu ce qui ne s'est pas encore passé, ou ce qui n'est pas encore mort, si c'est passé d'out. Ouais. Ouais, 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 ouais. On va apprendre nos leçons pour terminer la journée. C'est parti.
Attends, niveau compétences, on est couvert. Hein. On va le monter level 2. Ça, ce sera que du level 1. Mais bon, c'est un petit truc à la con. Alors, ça c'est effectif contre la corruption, c'est du préservation du bosque, c'est que un nectar, dommage. Il y a lui qui est de nectar aussi. Un nectar, ouais, bon. Bah, on les montera de niveau, on aura un 2, mais c'est pas ouf 2. Hein. Donc je pense qu'en termes de souvenirs, on a du 1 grand max. On n'a aucun skill de type nectar. Ouais. C'est pas gagné encore. Ça, deux de lanterne et un de sky, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Est-ce que je peux. Ça fait ça, ça me le remet à la bonne taille. Ouais, parfait. Si ça y est, la pièce est ouverte. Il y a des petites perles ici. Thomas des wolves. Ah, encore un des wolves, zut. Peut-être un problème. Ça, c'est quoi? Gideon Sauk. Ok, il y a un coffre-fort là. Nocturnarni. Substance Shadow. Ok. Evolve bien scolésosophie. Oh, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça. Et là, on a des cendres, un petit livre à cataloguer, pourquoi pas. Les tableaux, ils sont interagissables, ouais. Plein de tableaux. Et donc, un truc un peu. Ouais, il y a des choses. À chaque fois, il y a deux, trois trucs qu'on peut utiliser dedans. L'arsenic, c'est pas de type shadow, par contre. De quoi pour être de type shadow? Omen, liquide, ah, juste un liquide, ok. N'importe quel liquide peut être de type shadow, mais ça c'est un matériel, c'est pas un liquide. Okay. Fort bien, fort bien, fort bien. Toi tu vas là. Hop. Et puis bah, on est pas mal pour la journée, hein, comme on dit. Cramer plein de souvenirs, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et ça va bientôt être le matin, donc on va arrêter l'épisode de VOD là. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, n'hésitez pas. C'est le moment, je bois un petit coup. J'espère que ça vous a plu. Laissez un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde!